Yo, c'est Artoon pour une nouvelle vidéo sur mon mode carrière. Mais que je fais en live, que je fais de temps en temps en live. Enfin, je vais essayer. En tout cas, j'ai essayé, je suis au début. Là, je vais faire ma deuxième composition. L'équipe B de l'OGC Nice. On va mettre Danino, on va mettre Danny Nuke aussi. On va mettre Morgan Schneiderlin, on va mettre Alexis Claude Maurice. On va mettre Bulka. On va Jordan Amavin. Pour l'équipe 2, on va mettre Stange. On va mettre Atal. Je vais mettre Mohamed Ali Show. Et nous Mohamed Ali Show dans l'équipe 2 avec Evan Guézan. Il y a juste un côté que j'ai pas changé. Je peux mettre Brahimi. Bilal Brahimi. J'ai tous les joueurs. Trottelberg, je le laisse sur le banc. Ouais. De toute façon, je vais faire tourner un Trottelberg. Et les autres. Je vais mettre l'équipe de 2-2. On passe pas normalement. Si on passe, ça serait chanceux si on passe. Ouais, on passe pas. C'est pas grave. On a plus de sous parce que voilà, j'ai renégocié des joueurs et j'ai pris que Mohamed Ali Show. Sako est parti en prêt, ça c'est pas mal. Leeds, une offre. Fais voir le joueur. La team néerlandais. Je pense pas, c'est de la merde. Après, c'est vrai, pas tenir fort. Mais... De toute façon, là, je peux plus recruter. Hein. Ah, mais à Nice, en fait, là, j'ai aucun joueur à fendre. C'est moi ou Dante vient de perdre 1. Ah, ouais, il vient de perdre 1. Je crois Dani qui va passer vite titulaire à la place de Dante. Ouais. En fait, y'a pas de joueur à vendre. Hein. Peut-être Morgan Schneider là, mais ça, je le garde encore une saison. Ah ouais, en fait. Enfin, entre l'année prochaine, Morgan Schneider. Hein. En fait, j'ai pas de joueur à vendre. J'ai clairement pas de joueur à vendre dans cette équipe. Ouais, clairement pas de joueurs à vendre. Si vous voulez voir des arrivées, des départs, dites-le moi. Mais bon, je pense pas de vendre du joueur. Hein. Ah, Dante, il y en a, ils veulent Dante. L'Ajax d'Amsterdam veulent Dante. Ah ouais, ils ont craqué. On regarde notre capitaine, ils ont craqué. En plus, c'est pas des belles offres. En plus, c'est des offres de merde, quoi. On va bientôt commencer le championnat. Hein. On peut pas aux Pays-Bas. Ouais, Pays-Bas, ça pourrait être pas mal d'avoir des petites pépites aux Pays-Bas. Parce que Nice prennent beaucoup des joueurs aux Pays-Bas. Kluivert. Ouais, Kluivert, ils prennent. Ils ont pris Stange, Rosario. Mec, on retourne au Pays-Bas quoi. Enfin, tous les Néerlandais quoi.
Après, il n'est pas encore recruté. Clivert. Clivert, pas encore recruté. Il n'est pas encore recruté. Lui, je pourrais le prendre. Lui, je vais le prendre en équipe senior. Ah, lui. Lui, il a dégringolé au lieu d'augmenter. Lui aussi, il commence à dégringoler. Bon, après 85 de général, c'est bien pour Nice aussi. Mais... lui, 94, lui. Ah, lui, il augmente. Hein. Ah, lui, c'est la pépite dans les cages. Dans le gardien, ouais. Pour remplacer Benitez. Hicham Boudou, oui. Ah, l'Olympique, allez, on est craqué. Il n'a pas joué, hein. Je vais le mettre en prêt direct. Il est là. J'étais à la liste de prêt. On va commencer contre Reims, première journée. La conférence de presse d'avant match. Nous allons pouvoir commencer cette séance de questions-réponses. La saison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match? On doit apprendre de nos erreurs. En vrai, ouais, on doit apprendre de nos erreurs. L'équipe peut-elle éviter le bas du classement? L'équipe est capable. J'espère. Hein. Ouais, je vais le mettre titulaire pour le premier match. Bah, en vrai, je vais voir ce que j'ai mis sur le banc. Il y a Atal. Atal, c'est vrai qu'avec sa vitesse, hein. Il peut être pas mal. Mais comme on a deux buteurs, je suis obligé de mettre un buteur sur le pont et m'enlever Dani Luc. Après, Dante, c'est vrai qu'il s'attaque vite. Il n'a pas joué tous les matchs non plus. Hein. Ouais. On va pas partir comme ça. Avec le petit Mohamed Alifio sur le banc. C'est un joueur qui va le recruter en plus en vrai donc. Salut, tout est parfait. Vous allez suivre ce match en ma compagnie. Installez-vous pour commenter. Et bien, c'est moi depuis un petit moment. Oh la caméra. Je vais faire ce que je peux pour pas trop vous agacer. Je ne vous apprends rien. C'est aujourd'hui que la Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits. Avec donc ce match, l'OGC Nice contre le Stade de Reims. C'est un moment bien sûr d'excitation, la reprise du championnat. Allez. Kluivert qui dépasse, qui passe à Kluivert qui est retrouvé sur le côté. Kluivert. Justin Kluivert pour l'OGC Nice, attention l'occasion. Qui revient dans l'axe avec Thuram, Thuram Rosario, Boudaoui, Lautamba, Lautamba, Thuram. Qui centre la défense, ouais. Ça va pouvoir repartir. Attention. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, Thuram. Et ce ballon qui est récupéré. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Et il progresse vers le but. Attention. Avec ce ballon. Attention, Dante. C'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Boudaoui. On tombe à Todibo.
Dante. Barre. Tu râles. Allez, Kluivert, Kluivert. Les 30 derniers mètres. Oh, Rosario qui est passé, Rosario. Rosario qui trouve la défense, Rosario. Rosario et le but. Le but, je crois que c'est Andy Delors. Et 1-0 pour le GC Nice face au Stade de Reims. Voilà, quelle combinaison entre Rosario et Delors. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait. Toute la défense prise à revers. Là, sous la pression, il arrive à conclure. Et le gardien n'a rien pu faire. Voilà, ça fait 1-0 pour le GC Nice. Face au Stade de Reims. Boudaoui, Boudaoui qui récupère, Boudaoui. Delors, Delors. Qui a vu Justin Kluivert, tu vois. Ah, dommage. Allez, qui va reprendre ça repart, Kebal. Il glisse ce ballon en profondeur. Il avance balle au pied. Oh là, heureusement qu'il était là. Je sais pas qui c'est que j'entends, mais j'ai entendu un entraîneur là. Waouh, il gueulait. Debout, debout, je sais pas quoi il disait. Ouais. Un truc comme ça, je crois. Andy Delors. Je sais pas si vous avez entendu, debout, debout, là, je crois. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est pas mal hein, ce que font les Niçois sur cette action. En tombe à Rosario. Thuram. Kluivert. Grégory. Lavin Barre. Dante. Justin Kluivert, il a été bien placé pour intercepter cette passe. Yes, on les a pressés. Il y a un but dans le match que disputent les Girondins de Bordeaux en ce moment. On va aller voir ce qui se passe. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. Un but à zéro, donc, après 42 minutes de jeu. Merci à vous. La passe est interceptée. Mi-temps. De cette première période qu'on a vu. Mi-temps, mi-temps. Je suis concentré quand même. À la mi-temps. Ouais, mi-temps. Pas beaucoup d'occasions quand même, hein, par le but que j'ai mis. Faire entrer Atal pour apporter un peu. Vers l'avant, quoi. À la place de l'Otomba, j'ai fait sortir. Pour 45 minutes. On cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Attention. Attention. Attention à l'égalisation, il arrête de Walter Benitez. Super arrêt. Le corner en direction des points de pénalty. Attention. Il a pris sa chance, mais la frappe est. C'est chaud là dans la défense, c'est chaud. Sans problème. C'est officiel désormais. Wissam Ben Yedder a signé à Tottenham Hotspurs. Quoi ? Ah ouais, Wissam Ben Yedder a signé à Tottenham. Ah ouais, tiens. Dans la carrière, il a signé à Tottenham. Une période de prospection, de supervision. Et c'est vrai qu'on peut comprendre avec ses qualités. Magouri, je l'ai jamais vu, quoi. Sensible, le club acquéreur. Le mec est invisible et Walter Benitez encore une fois. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Un corner adressé. Ouah, c'est chaud, c'est hard là, c'est chaud dans la défense. Pas bien dégagé, ce ballon. Thuram qui récupère le ballon de l'or. Ouah, ils ont tout le temps le ballon, hein. Ils ont tout le temps le ballon. Oh, la belle récupération de Justin Kluivert. Justin Kluivert, Justin Kluivert pour le 2-0. Justin Kluivert et l'or est de chez même pas de chaque Jonich là. Danté. Justin Kluivert encore à nouveau. Oh, ils ont perdu un gros ballon. Ils ont failli
avoir un mètre 2-0 l'OGC Nice face à Stade de Reims. Attention à la contre-attaque pour Reims. Il n'a pas toujours été impliqué dans toute Melvin Barr, Melvin Barr. Il a marqué un but très important. Thuram. Pour lui et pour son équipe. On verra ce que ça va faire dans la seconde période. Boudaoui. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est dans les gants de Rats, Kozvic. Oh ouais. Kasper Dolberg va rentrer et Mohamed Alicho va rentrer aussi. Voilà, deux buteurs qui rentrent. Deux buteurs qui rentrent. Là, voilà. Là, il faut mettre le 2-0 parce que là, on se sent pas bien. On peut se prendre un but à tout moment. Ah oui. Ah oui. Avec Thuram, 2-0. 2-0. Pour l'OGC Nice face au Stade de Reims grâce à Kefren Thuram, la jeune pépite de l'OGC Nice, voilà, voilà. Pas eu de contrôle, hein, vraiment, c'est parti d'un coup, beaucoup de spontanéité dans de là, ce geste. Igori qui sort pour Kasper Deberg et Mohamed Alicho. Ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage, ils accentuent leur avance. Allez. Circuler le ballon, ils sont patients. Pour l'instant, ça tout va pour le Justice. Allez, allez, on continue comme ça. On entre dans la zone dangereuse. Attention, attention. Ouais, bon, ça n'ira pas plus loin. Attention, attention, cafouillage dans la défense. Cafouillage dans la défense. C'est bien récupéré. Ouais, bien joué, il était temps. Attention, c'est récupéré par les joueurs de Reims. Attention à cette fin de match folle, attention. Attention, c'est passé le but pour le Stade de Reims. C'est pas fini, plus qu'un but. Attention à l'égalisation. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Ici dans cette Allianz Riviera que j'ai renommé. Allianz Riviera. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. C'est une sorte de passe à 10. Allez, Kasper Dolberg. Mohamed Alicho. Oh, qui a vu sur le côté, qui a vu sur le côté. Boudaoui qui remet au centre. Avec des passes qui s'enchaînent bien. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ouais, bien. Faute. Faute. On a un coup franc pour Nice. Pour l'entraîneur. Ouais, bien capté par le gardien. En fait, de base, je vais faire une passe, mais je sais pas ce que c'est. Moi, comme ça, je grattais du temps. Ça m'arrange. Nanté. La dernière minute avant le temps additionnel. Le temps additionnel. Benitez. Temps additionnel, 2 minutes. Todibo. Oh, la contre-attaque. La contre-attaque avec Mohamed Alicho, peut-être pour le premier but avec le GC Nice. Mohamed Alicho, le poteau de Mohamed Alicho, le poteau de Mohamed Alicho, l'ancien angevin qui fait le poteau. Mohamed Alicho, oh non, dommage, c'est parfait, c'est très encourageant. Oh dommage, et c'est la victoire quand même, 2-1 pour le GC Nice face au Stade de Reims, belle victoire. Interview d'après-match, hein, bien sûr. Strasbourg qui gagne, Bordeaux qui gagne, Lorient qui gagne. Okay. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Les gars se sont donnés à 100%. Il était très fort. Hein. Dante, bien joué. Bien joué, Dante. Une bonne leçon. Je peux pas dire qu'on peut changer, oh, on peut changer voilà, de trois trucs. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on changera pas. Ah, moi, mais Daichou, il est important en fait. Hein. Bon, je vais mettre direct sur le banc, je crois. La place de Flash Zuni. On va jouer le deuxième match face à Lille.
On va aller en Suisse, allez. En Suisse, on peut... Oh, les petites pépites en Suisse aussi. Hein. Ça serait pas mal. Ah, il y a des bons Botman, Fond, Pied, Ben... Ouais, Onana, ça a dit fait. J'ai bien envie de mettre, à la place d'Amine Gori, Mohamed Alicho titulaire. Voilà, un petit Mohamed Alicho titulaire. Je veux le match. Salut tout le monde. Deuxième match, après on s'arrêtera là. Avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est moi, Hervé Matou, qui vais essayer de vibrer devant vos actions. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. Le LOSC face à l'OGC Nice. Je suis fidèle au poste, comme toujours, pourvu que le match... Allez, attention à Boukarimas, Boukarimas qui passe. Attention, l'arrêt de Walter Benitez. L'arrêt en deux temps, premier Hicham Boudaoui, Rosario. Rosario s'est perdu, attention Boukarimas. Justin Kluivert. On poursuit son action personnelle. Allez, Mevin Bar. Thuram. Rosario. Mohamed Alicho. Mohamed Alicho. Il est trop fort. Il y a que, je vois que lui, mec, sur le terrain. Ah, mais mec, pourquoi j'ai pas pensé à ça plutôt dans tous les cas? Ah, mais mec, il est trop fort. Mohamed Alicho est vraiment trop fort. Andy Delors. Par Boudaoui, 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 Hicham Boudaoui. Andy Delors qui perd le ballon. Attention, Jonathan Bamba. Renato Sanchez. Attention, attention, l'ouverture du score pour le LOSC. Lille qui mène 1-0 grâce à Boukarimas. Oh no. Ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Il va falloir égaliser très vite. Un but évitable. Hein. Ouais, ce un but évitable. Thuram, allez. Justin Kluivert. Mohamed Alicho. Oh, il perd le ballon, Mohamed Alicho. Oui, aïe. Dante, bien joué, Dante. Justin Kluivert, Justin Kluivert qui passe, Justin Kluivert qui prend le dessus sur le défenseur. C'est bon, mais le danger est écarté. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Attention, l'Otomba qui se fait prendre par Bamba, l'Otomba qui s'est pris. Qui se fait prendre, attention, 2-0 pour le LOSC. Deuxième but de Boukarimas. Cette petite erreur d'appréciation quand même. On peut rien faire, on peut rien faire. L'Otomba il s'est fait bouffer par Bamba. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Allez Rosario, on va tenter de réagir. On se doit de réagir. On se doit de réagir, Boudaoui. Pour les supporters, Boudaoui. Thuram. Super réflexe. Renato Sanchez. On se doit de réagir, on peut pas. On peut pas. Allez. À la côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Il avance balle au pied. Attention. Attention, Bamba. Bamba, Bamba, Bamba. 3-0 pour le LOSC. Quel match, on se fait éclater. On peut rien faire, strictement rien faire là. Il n'y a plus qu'à la mettre. Alors c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, le vainqueur en tout cas de ce match. Bah IRL, dans la vraie vie,
Bah, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'était plutôt l'inverse. Pablo Rosario. Il n'y a pas encore eu le match retour entre les deux. Ils vont essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh ouais, non, mais là, il n'y a rien qui va dans l'équipe. Il n'y a rien qui va là. C'est avec là. Ce confortable avantage qu'ils vont. On aurait putainement marqué, mais. Non, là c'est compliqué là. Perdre des points face à des comptoirs directs. Bah, Attal va rentrer quoi que là. Hein. Boudaoui va sortir. On va faire déjà ce jeu changeant. C'était une chance. Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. C'est fatal. Waouh. Sur cette passe. C'est une clé verte, allez. Au moins pour marquer un petit but déjà, ce serait déjà pas mal. Faut trouver l'option disponible. Allez. Oh, magnifique, le gardien bien joué. Dommage. Dommage, dommage. Contre-attaque avec ce ballon. La défense qui est wow, Melvin Barks s'est fait passer, bien joué Dante. Cette contre-attaque. Ça a été confirmé, hein. Everton vient de se renforcer avec un recrutement assez cher. Allez. C'est une recrue qualité, allez. C'est un bon joueur, ça c'est sûr. C'est une clé verte de centre. Il y a rien qui va dans ce match. Attention, Botman qui met vers Bamba. Todibo bien pris. Benitez. Un ballon récupéré par l'adversaire. Thuram. Justin Kluivert. Pablo Rosario. Allez, Attal. Youssef Attal. Allez, Mohamed Elisho. Il faut qu'il Stange. Stange. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Je vais faire sortir Justin Kluivert. Ah, ok. Ah oui. Quoique. Quoique, ouais, c'est vrai que j'ai plus de changement. On va faire entrer Mingori à la place de Mohamed Elisho. C'est compliqué. Même pas marqué un but là. Ouah, Dante s'est fait passer. À l'intérieur, ah, cette attaque qui avorte finalement. La petite promo là sur le match de tout à l'heure qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Mais évidemment, c'est une affiche qui promet beaucoup. On a hâte de vous faire vivre en position idéale pour centrer. Attention à la frappe. Ouais. On la voyait tous au fond, Jardim. Mais le gardien était là. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Justin Kluivert. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. On peut pas, on n'arrive pas à marquer là. Hein. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Il n'y aura pas grand chose. Ouais, ça va être la première défaite. Hein. L'équipe a pris l'eau de toutes parts. S'il avance balle au pied. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Ah, il est bien tiré le corner là. Et il marque. 4-0, là c'est fini, c'est bon. On s'est fait péter. Contre à sens unique. À
Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, dans le trou. Voilà, bonne intervention du gardien qui repousse. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Même pas le but, quoi. Même pas le but pour sauver l'honneur, quoi. On se fait... Ah, il gagne la possession. Et l'avantage qu'il n'a pas profité. Coup franc, Karim Benzema. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Oh, la faute. Carton jaune, Mingueli. Ça sent le carton jaune. C'est sans problème pour le gardien. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Voilà, fin du match, on s'est fait éclater. On s'est fait éclater. Il y a des scores qui parlent d'eux-mêmes. On s'est fait éclater, on avait gagné contre un, là on a perdu. Là c'est vrai. On va pas faire la conférence d'après match parce que là je sens que. Attention. Là elle est là. Ah dommage, on a perdu hein. Mais bon, on va se rattraper. Hein. On a que deux journées, ça va. Sans un plan d'achat. Prêt d'un an. Je vais le prêter parce que bah, il va pas jouer. Hein. Mais l'autre, il pourrait jouer, l'autre. Hein. Même s'il y a que 56. Si je l'ai voulu, je l'ai dévolué de fou, mec. Intéressant ce gars, même si j'ai perdu bro. Et puis Mohamed Aïchou, il est pas mauvais. Ouais, on va avancer un peu. Bon. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.